Située au milieu de la Puszta, la steppe centrale de Hongrie, Kalocsa est une ville de taille modeste. La religion, par la personne de l'archevêque de la région, dirige et règne en maître sur la vie locale. L'église, ainsi que le palais épiscopal qui sont situés sur la place centrale de la ville, témoignent de cette emprise. Construit à la fin du XVIIIe siècle, ces bâtiments ont subi l'influence de l'esthétique baroque de l'époque. Un musée un peu excentré retrace les coutumes locales et présente des produits artisanaux confectionnés dans la ville. Une maison permet de découvrir l'aménagement intérieur, le mobilier et la décoration des maisons traditionnelles hongroises. Transfert à quelques kilomètres de la ville, dans une exploitation qui présente des activités rurales et les jeux locaux, tous tournés vers le cheval, une fierté du peuple hongrois. Je m'en vais plus au milieu. So it is pretty easy to tell apart the oxen from the bulls. Bulls are... Les chevaux sont assis comme les chiens. Il faut savoir que c'est
C'est une position très difficile à faire apprendre au cheval parce que c'est une position complètement inadéquate. Voilà le propre du cheval. Et c'est une autre position de position de natural position pour les bons cheval. En Hongrie, on traite le belle-mère en cette façon. See, no hard feelings left. Comme libre, il joue. Et le jeu maintenant, il vous présente, il y a quelques jeux. Voilà, bon. Un. Deux. Et voilà, bravo. Alors, le dernier candidat, le berger gigot, avec la Melinda. Ah ben voilà, n'importe comment, c'est... And now the second game is going to be about speed again and balance. So each of our riders is going to lead a mug of wine, and their task is going to be to gallop around. Alors, on va voir qui est le plus doué avec ce jeu, donc il faut faire un tour avec le verre en galop. On n'avait comment pas préciser de quel grand ce tour soit, donc voici le gagnant gigot. And actually we forgot to mention how big the circle has to be, so... Alors et maintenant le cavalier joue le chat. Il faut obtenir le foulard de jeune fille. Le cavalier qui gagne les jeux est très heureux, il jette... parce que c'est lui qui va recevoir une bise de la part de jeune fille. All the others are the chasers. Well, I have no idea of the strategy of the donkey rider, but we are going to see if he has any chance or not. And it can be actually pretty dangerous when they are on such a high speed like now and too close to each other. Ce jeu était joué pendant la période de Pentecôte aussi. Et le gagnant de ce jeu était le roi de Pentecôte. Ça veut dire qu'il a eu le droit pour boire pendant un an gratuitement dans le local pub ou de restaurant. Il était invité de tout le mariage qui était passé dans le village, bien sûr gratuitement. Et aussi, il peut demander à un de ses collègues pour aller travailler. And here we have the winner, the donkey rider. Mais encore une fois, voici le gagnant, Giga. Alors, les trois chevaux sont la même couleur, c'était plus cher, donc c'était la façon de voir. So we have this collection. So we have to be Thank you.
Précisément la région de Kalocsa et de la Puzla, constitue le premier producteur au monde de paprika. C'est donc tout naturellement qu'après une dégustation des principaux types de paprika, nous visiterons le musée consacré à l'or rouge de la région.